Le mariage et l'union civile entre deux personnes entraînent plusieurs effets juridiques. Parmi ceux-ci se trouve le régime matrimonial auquel les époux ou les conjoints unis civilement sont assujettis. Le régime matrimonial, c'est l'ensemble des règles qui portent sur les biens des époux et qui s'appliquent pendant la durée de leur mariage et lorsque survient un décès ou un divorce. Il existe plusieurs régimes matrimoniaux au Québec. Ces régimes ne s'appliquent pas aux conjoints de fait c'est-à-dire aux personnes qui vivent ensemble, peu importe depuis combien de temps, sans s'être mariées ou unies civilement. Tout régime matrimonial, que ce soit le régime de la communauté de meubles et aquais qui nous intéresse aujourd'hui, ou encore le régime de la société d'aquais ou le régime de la séparation de biens, prévoit des règles particulières qui encadrent l'administration des biens des époux. C'est le régime matrimonial, choisi par les époux ou qui s'applique à eux par défaut, qui déterminent les règles qui se rapporteront à leurs biens pendant leur mariage, qu'il s'agisse par exemple de les vendre, de les hypothéquer, de les donner ou de participer au bornage d'un immeuble. Le régime matrimonial détermine aussi les règles qui s'appliqueront en cas de divorce ou de décès de l'un des époux quant au partage ou non de leurs biens. Les époux québécois qui se sont mariés avant le 1er juillet 1970, sans avoir fait de contrat de mariage notarié, sont assujettis au régime de la communauté de meubles et haquets. Ce régime était le régime dit légal, c'est-à-dire celui qui était prévu par l'ancien Code civil du Bas-Canada et qui s'appliquait, par défaut, à tout couple qui s'était marié avant le 1er juillet 1970. Les époux avaient aussi la possibilité d'adopter le régime matrimonial de la communauté de meubles et haquets en l'indiquant dans un contrat de mariage notarié avec ou sans modification aux règles du régime légal. C'est alors ce contrat qui contient les règles applicables, encore aujourd'hui, aux époux mariés sous ce régime. On utilise parfois l'expression communauté de biens pour désigner la communauté de meubles et haquets. L'ancien Code civil du Bas-Canada a été remplacé par le Code civil du Québec le 1er janvier 1994, mais il continue exceptionnellement de s'appliquer aux époux mariés sous le régime de la communauté de meubles et haquets. Quant aux époux mariés sans contrat de mariage depuis le 1er juillet 1970, ils ne sont pas sujettis au régime de la communauté de meubles et aquets, mais plutôt au régime de la société d'aquais, qui est différent de la communauté de meubles et aquets, et donc il ne sera pas question ici. Même si la communauté de meubles et aquets a été abrogée le 1er juillet 1970, les gens qui se sont mariés sous ce régime, et qui sont en général âgés de 70 ans et plus aujourd'hui, y demeurent assujettis. Ce sont donc les règles de la communauté de meubles et haquets qui s'appliquent lorsque ces personnes vendent, donnent ou hypothèquent des biens, ou lorsque survient un divorce ou un décès. C'est pourquoi il demeure important, encore aujourd'hui, de connaître le fonctionnement de la communauté de meubles et haquets. Le pouvoir des époux mariés sous le régime de la communauté de meubles et à quai de prendre des décisions quant à l'administration de leurs biens dépend de la qualification des biens. Le régime de la communauté de biens crée en effet trois catégories de biens des biens propres, des biens communs et des biens réservés. Ces catégories de biens ont aussi de l'importance lorsque survient le partage des biens des époux, notamment en cas de divorce ou de décès. La qualification des biens dans un contexte de communauté de meubles et haquets est une démarche assez complexe puisque les règles générales prévues dans le Code civil du Bas-Canada s'accompagnent de plusieurs exceptions. Il faut donc comprendre que les explications sur la qualification des biens qui vont suivre sont très sommaires. Elles visent à vous donner un aperçu des catégories de biens et il ne sera pas question ici des nombreuses exceptions susceptibles de s'appliquer. Pour en avoir le cœur net sur la qualification d'un bien, il est souvent nécessaire de consulter un notaire ou un avocat qui se spécialise en droit de la famille. En général, les biens propres d'un conjoint sont les immeubles qu'il détenait avant le mariage, les immeubles qu'il a reçus en héritage ou par donation pendant le mariage, et certains autres biens qui lui ont été donnés ou légués à titre de biens propres. Les biens communs sont, quant à eux, la plupart des biens meubles des époux, sauf ceux qui leur ont été donnés ou légués à la condition qu'ils restent des biens propres, ainsi que les immeubles qu'ils ont acquis pendant le mariage, sauf ceux reçus par héritage ou donation. La troisième catégorie de biens, qu'on appelle les biens réservés, n'existe que pour l'épouse. Les biens réservés comprennent les économies qui proviennent de son travail et les biens qu'elle a acquis avec le produit de son travail. Si un bien est propre, l'époux qui en est le propriétaire l'administre lui-même. Il peut le vendre, le donner ou l'hypothéquer comme il l'entend, sans le consentement de l'autre. Si un bien est commun, c'est le mari qui l'administre seul. Le mari ne peut toutefois pas vendre, donner ou hypothéquer un bien commun sans le consentement de son épouse. C'est la même chose pour le bornage d'un immeuble qui serait un bien commun. Si un bien est réservé, c'est l'épouse qui l'administre seule. Elle ne peut toutefois pas le donner, le vendre ou l'hypothéquer sans le consentement de son mari. En cas de décès ou de divorce, chaque conjoint conserve ses biens propres, c'est-à-dire généralement les immeubles qu'il possédait avant le mariage ou dont il a hérité pendant le mariage ou d'autres biens reçus à titre de propre. En ce qui concerne les biens communs et les biens réservés, l'épouse ou ses héritiers en ligne directe, par exemple ses enfants, ont le choix entre deux options. L'épouse aura le choix de conserver ses biens réservés et laisser les biens communs à son époux, ou bien partager et ses biens réservés et les biens communs avec son époux en part égale. On comprendra que l'épouse choisira l'option qui lui est la plus favorable. Les règles que nous venons brièvement de voir peuvent paraître curieuses aujourd'hui. Il peut sembler étonnant d'apprendre que sous le régime de la communauté de Mebuzéaké c'est encore le mari qui administre seul les biens communs et que, pour aliéner les biens communs ou les biens réservés, l'un des conjoints doit obtenir le consentement de l'autre. Pour comprendre ces règles, il faut tenir compte du contexte historique dans lequel est né le régime de la communauté de meubles et haquets. Il a été mis en place au 19e siècle dans le Code civil du Bas-Canada, en tenant compte des normes sociales et économiques de l'époque. L'évolution des mœurs a entraîné, au fil du temps, des changements aux lois pour mieux répondre aux attentes de la société quant à l'égalité des époux. C'est pour cette raison qu'en 1970, le régime légal de la communauté de biens a été remplacé par celui de la société d'acquai qui s'applique toujours aujourd'hui. En conclusion, les règles juridiques de la communauté de biens demeurent importantes encore aujourd'hui parce qu'elles concernent un grand nombre de nos aînés qui sont régis par ce régime matrimonial. Les notaires, les avocats, les arpenteurs-géomètres, les médiateurs et les tribunaux sont donc appelés à appliquer ces règles anciennes, mais toujours d'actualité. C'est pourquoi il est nécessaire d'étudier et de comprendre le Code civil du Bas-Canada pour les connaître.